Salut à toutes et à tous, c'est Vosketal de boomichefrance.com. Allez, on reprend les challenges, si vous le voulez bien. Oui, à chaque fois je vous demande si vous le voulez bien, mais forcément vous le voulez bien. Allez, avec Valentin, Quesnel ou Quenel, ou Quenel peut-être, petite quenelle débranchée, c'est délicieux. Alors, qui me demande sur YouTube, fais un full bestiole en challenge. Alors, je suppose qu'en challenge, tu veux me dire en challenge Vosketal, MR. Alors MR, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire Mister? Est-ce que c'est une abréviation pour dire merci? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je suppose que ce MR veut dire beaucoup de choses. Alors, je vais bien remettre mon micro si on va pas m'entendre. Allez, donc, j'ai pris ce challenge-là parce que ça va mettre fin à quelques, on va dire, petites spéculations, ou du moins quelques petites devinettes que se faisaient comme ça ceux qui n'ont pas encore les bestioles, les critters, ces fameuses petites tirs de canonnières, ces petites unités qu'on peut tirer avec les canonnières. La réponse, vous allez le voir, à la question qui est, est-ce qu'on peut finalement gagner une base, enfin un combat, juste avec des bestioles? Donc là, en fait, c'est dans sa question, enfin, derrière la question de Valentin, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on peut gagner un combat seulement avec des bestioles? Donc vous allez voir tout de suite, la réponse ne va pas forcément être positive. Alors, je vais prendre n'importe quelle base, j'ai même pas réfléchi à quelle base j'allais prendre. Disons que, pour répondre à la question, non, c'est pas possible. Là, j'ai fait exprès de booster toutes mes canonnières, bah, toutes mes statues de boost de canonnière, et on ne peut pas gagner juste en balançant des bestioles. Ouais, je peux faire des petits mixtes, ils vont finir par se faire détruire. C'est impossible, impossible de gagner une base juste avec des bestioles. Donc au pire, on arrive à détruire quelques bâtiments, mais enfin, un full bestiole n'apportera absolument rien. Mais c'était intéressant quand même à regarder. Donc voilà, là on l'a vu, c'est perdu. Je vais essayer d'en faire une autre quand même, histoire de... Peut-être une plus facile. Alors une plus facile, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un petit... Alors renserré, il me semble qu'il y a pas mal de monde au balcon. Oui, évidemment, ça risque d'être un peu hot. Stupéfaction peut-être. On va se faire un petit stupéfaction en full bestiole. Donc full bestiole, on est bien d'accord, hein, c'est utile que des bestioles, donc pas de débarquement de troupes, pas d'autres tirs de canonnières. Bon, j'avais déjà fait aussi un challenge où eh bien, je débarquais avec mes troupes et j'utilisais seulement les bestioles. Ça par contre, ça avait marché. Je me rappelle, je crois que j'avais fait un RZM. Oui, là, ils sont dégommés parce que c'est les seules cibles. Et qui plus est, les bestioles n'ont pas énormément de vie. Alors moi, je les ai qu'au niveau 2. Mais même, je peux les avoir au niveau 5 ou 6. Ça ne changerait fondamentalement pas grand-chose. Allez, je vais vous en faire une troisième pour le plaisir et pour vous prouver définitivement que ce n'est pas possible. Tiens, un petit verrouillage. Ouais, c'est pareil. On va essayer de m'en faire allumer. C'est vraiment très dur. Alors même si on commence à se dire, si j'envoie une bestiole à gauche, comme ça, ça fait une espèce de diversion sur les bâtiments. Ensuite, j'envoie toutes mes bestioles à droite. Enfin, quand bien même, ils sont tellement, je viens de le dire, hein, tellement peu résistantes, ces bestioles, que au final, elles finissent par se faire détruire. Alors, ils se prennent une mine, ça leur bouffe la moitié de leur vie. Donc voilà. Donc finalement, ce petit défi, ce petit challenge Vosketal était intéressant parce que, comme je vous le disais au tout début, ça répond enfin à la question. Et puis surtout, on va dire un petit peu, ça répond aussi à l'énervement de certaines personnes quand ils ont lancé ce nouveau tiers de canonnière. Parce que c'est seulement disponible à partir d'un certain niveau. Quand même, c'est quoi? C'est QG19, je crois. QG19, avant d'arriver au QG19, ça met un bail. Donc les gens se disent, ouais, encore une troupe pour les gros niveaux. Enfin, encore un tiers de canonnière pour les gros niveaux. Nous, ça sert à rien. Ils vont nous aplatir encore plus. Alors effectivement, ce tiers de bestioles avec des unités en même temps, ça peut être extrêmement puissant. Mais alors, que des tiers de bestioles, on vient de le voir. Ça, je vais cogner mon iPad. Ça a absolument aucun intérêt. Voilà. Donc merci Valentin pour ce défi qui a permis de répondre à cette fameuse question. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à envoyer un petit challenge Vosketal précédé d'un hashtag, donc hashtag challenge Vosketal, que vous envoyez sous cette vidéo YouTube dans les commentaires, sur Twitter, sur Facebook, etc. Suivi d'un challenge qui est possible techniquement parlant, qui permet voilà, eh bien, d'attaquer avec des troupes, de défendre, voilà, vous pouvez me demander ce que vous voulez, et j'essaierai d'y répondre. Merci encore donc Valentin, et excellent jeu à tous, salut.